Good morning, allez, Idan et Sutra aujourd'hui, le Nishmat, Chayester, Bat Myriam, Masekur, Fouat, Olivier, Israël, Shimon, Ben Chayester, Khamshat Myriam, Bat Ozlena, et Binyamin, Ben Chabiba. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, comme il y a 5 minutes éternelles, nous étudions Masekhet Shabbat, Perikutret, Mishnah Bet, Chavilei Kash, Vechavilei Etzim, Vechavilei Zradim. Im Itkinan le Ma'achal, Behema, Metaltenenotan, Veimlav en Metaltenenotan. Kofin et Asal Lifne Efrochim, Kedeshia Louve Yerdu. Tarnegolet Shebarra, Dochin Ota Hachetikanes. Medadin Agalin Osiachin Birshut Arabim. Isha Medada et Bena. Amar Biuda Imatai Bisman Shehunotelachat ou Maniachachat. Avalimaya Gorer Asur. On débute dans notre Mishnah. Je vais bien commencer maintenant. Dans le Mishnah présent, on ne va pas parler de ça vraiment. Et on débute dans le Mishnah un petit peu le tout ce qu'on a le droit de faire avec les animaux Shabbat, comment les protéger, comment. Et on commence avec d'abord une première halakha de Mouktseh. Chavile kash, vechavile etzim, vechavile zratim. Chavile, c'est une botte, on va dire, qu'on a attaché plusieurs, soit de kash, de la paille, donc une botte de paille. Vechavile etzim, ou une botte de bois, pour les éléphants qui mangent des bois, je crois. Vechavile izradim, ou une botte de brindilles aussi, qui sont plus vertes et fraîches. La Mishnah me dit comme ça, imitkinan ema chal behema, si tu as prévu de le, t'as fait ces bottes dans l'intention de les garder pour le ma'achal behema, pour la nourriture des animaux, alors metatele notan, tu as le droit de les déplacer pendant Shabbat, les transporter et les utiliser. Par contre, veimlav, mais si tu n'as pas prévu de les utiliser pour donner à manger aux animaux, en metatele notan, tu ne pourras plus les déplacer pendant Shabbat. Pour quelle raison? Très simple. C'est que si la paille et les brindilles et tout ça, si c'est pas pour donner à manger aux animaux, c'est que tu prévois de les utiliser pour la saka, pour les chauffer, en tant que combustible. Et dans ce cas-là, un combustible, à Shabbat, t'as pas le droit de l'utiliser, il est moussé mahmad goufo. T'as pas le droit de l'utiliser. De le déplacer même si t'as besoin, même s'il dérange, c'est un moukse très grave, puisque ça n'a pas un statut de. Ça n'a pas un statut de cli, d'ustensile. Donc, si c'est un ma'achal, c'est-à-dire, parmi toutes les espèces, toutes les sortes d'objets qui déplaçables qu'on peut utiliser pendant Shabbat, alors il y a les ustensiles, c'est un halakha spécial, les ustensiles parmi est interdit de déplacer, c'est un halakha spécial, mais ce qui n'est pas un ustensile, alors les aliments, on a le droit de les déplacer, mais ce qui n'est pas aliment, ben, ça devient Mouksim Ahmad Goufo. Et donc, c'est interdit de les déplacer pendant Shabbat. Deuxième sujet, Kofin et Asal, Lifna et Fochim, Kedesh Ya'alu Veyirdu. Je traduis d'abord, on a le droit de Kofin. Kofin, c'est en hébreu moderne, ça veut dire forcer quelqu'un. Mais là, c'est pas ça. Kofin, c'est retourner un ustensile sur lui-même. Un ustensile, il est à l'endroit, on le retourne, on le met à l'envers, alors c'est ça, on met Kofé auto. Donc, on a le droit de retourner un sal, un panier, Lifna et Fochim, devant les moineaux, Kedesh Ya'alu Veyirdu, afin qu'ils montent et qu'ils descendent. C'est-à-dire, la fenêtre, la porte du poulailler, elle est un peu trop haute. Les petits moineaux, lorsqu'ils sortent se promener un petit peu, ils ne savent pas re-rentrer ensuite par la fenêtre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un ustensile, le retourner, le mettre dessus pour que les petits oiseaux montent et puissent entrer. La Mishnah m'enseigne, eh ben, tu as le droit de mettre un ustensile pendant Shabbat. Vous allez me dire, c'est quoi le chidouche? C'est un super grand chidouche. Pour deux raisons. Tout d'abord, il y a déplacer un animal, le prendre dans les mains, on n'a pas le droit pendant Shabbat. On apprend ensuite dans le Mishnah qu'on a le droit de pousser un animal, si toutefois il s'enfuit, on expliquera ensuite. Mais d'abord, premièrement, un animal, c'est mouxé. Ceux qui se promènent avec les chiens pendant Shabbat, c'est très problématique. Ça dépend qui quoi, je rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, le prendre en main, c'est sûr que c'est le plus grave. Prendre tous ceux qui ont des animaux chez eux, ils peuvent pas les prendre dans les mains. On va voir, selon le cas, on a le droit de les pousser, ou même les prendre, pour les pousser complètement, même pour les faire rentrer dans leur petite cage, si c'est pour leur bien, on expliquera dans le Mishnah. Mais en tout cas, le prendre dans les mains, quoi qu'il arrive, ce sera toujours interdit. Donc l'animal lui-même, le prendre dans les mains, c'est interdit. Maintenant, utiliser, si toutefois tu retournes maintenant un ustensile, et l'animal il va monter dessus, et bien t'as plus le droit de dépasser l'ustensile. Pendant ce temps. En l'occurrence, on se retrouve dans un problème de Mevatel Klim et Chano. C'est-à-dire, il y a une halakha qu'un ustensile, que pendant Shabbat, on a le droit de déplacer. Imaginez qu'on a par exemple de l'huile des nérodes qui coule, c'est le cas rapporté dans la Gemara. De l'huile des nérodes qui coule. L'huile des nérodes, il est moukté. Les nérodes, elles sont en train de brûler. L'huile qui coule, c'est interdit. Si t'as pas le droit de prendre un verre, de le mettre en dessous, pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, ça va tomber dans le verre. On avait appris ça dans le Perek Shlishi, je crois. Que ça va tomber dans le verre. Et le verre maintenant, avec
Le verre, maintenant, il va devenir, on va le perikcheni, dans Bamiyamadilekin. Le verre, maintenant, ça va tomber dans le, ça tombe dans le verre, et le verre, maintenant, tu ne vas plus pouvoir le déplacer, parce que maintenant, il est devenu bassis, il est devenu support pour l'huile qui est interdite à déplacer. Et on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Parce que tu aimais Vatel Kli Mechano, il y avait un ustensile que tu pouvais le déplacer, l'utiliser. Maintenant, le Kli, il est condamné à rester à sa place pendant Shabbat. Ça ressemble à construire. Tu lui as fixé une place qui ne peut plus le bouger. Et la Mishnah, elle vient, elle me dit, ben, tu sais quoi, pour les petits moineaux, c'est pas grave, tu peux le faire si c'est que momentané. Je crois que c'est la solution qui est apportée. Je regarde une seconde dans le Tiferet Israël, parce qu'en fait, le partenariat, il nous dit qu'il n'y a pas de problème. Shana Frochim, on me dit malaf. Parce que, ah, parce que les Frochim, parce que les petits moineaux, ils restent pas dessus. Ils sont en train de voler, ils en ont besoin pour mettre un petit coup dessus, mais ils sont pas vraiment omdim dessus. D'accord? Et, Dare lo yisharu alaf, parce qu'ils vont pas rester. Comme ça, les Tiferet Israël explique, parce qu'ils vont pas rester. C'est que momentané, donc c'est permis. Mais si toutefois il allait partir, rester dessus, eh ben ça, on n'a plus le droit de faire pendant Shabbat. Et on continue maintenant l'autre sujet de déplacer les animaux maintenant. Tarnegolot Shebaracha, une poule qui s'est enfuie. Elle est partie du poulailler. Alors, Dochinota, on a le droit de la pousser. Hachetikenes, jusqu'à qu'elle va rentrer. Par contre, tu n'as pas le droit d'être médadé, tu n'as pas le droit de la penser et de la faire rentrer, comme ce qu'on a avec les autres animaux, mais avec la poule, tu as le droit de le faire. Juste, tu as le droit de la pousser et elle va rentrer. Par contre, Medadin Agalim ou Siachim Birchut Arabim. Par contre, des Agalim, des petits veaux, Siachim, c'est des petits ânes. Eh bien, hein, tu as le droit d'être Medadé Ota, c'est-à-dire si c'est enfui chez toi et tu veux le refaire entrer à la maison, tu as le droit même de le, tu as le droit même de le pousser en, lui, en le pinçant un petit peu, en le tirant par la peau, tu le, d'accord, tu le tires. Là, c'est permis. Mais la poule, c'est interdit. Pour quelle raison la poule, c'est interdit? D'abord, premièrement, on a dit, le prendre dans les mains, c'est interdit. Le pousser, c'est permis, même si en théorie, un moukhtse, si j'ai pas le droit de porter un, quelque chose pendant que je vais être un ordinateur, j'ai pas le droit de le déplacer, j'ai pas le droit non plus de le pousser avec les mains. Malgré tout, pour les animaux, il y a une coula spéciale, qu'on a le droit de le déplacer en le poussant, et ça va porter dans la ra parce que c'est un problème de tsar balechaim. Le mettre dans sa cage, c'est pour son bien, c'est pas pour le tien. De ce fait, on a permis, ils ont permis de le déplacer comme ça pendant Shabbat. D'accord? Pour le tsar balechaim, on a permis, mais pas de franchement le déplacer, juste de le pousser un petit peu. Maintenant, la poule, si toutefois tu vas te mettre à la pincer et à vouloir la tirer en l'attrapant comme ça par le cou, et la rentrer comme ça, elle, naturellement, elle va se mettre à lever les pieds. Et dans ce cas-là, tu vas te retrouver en train de la lever. Donc tu n'as pas le droit de le faire, tu peux juste la pousser, lui mettre des petits coups, mais sans la tirer. Ok? Dernier sujet maintenant, puisqu'on a parlé du cas de déplacer quelque chose en le poussant un petit peu pour qu'il marche, du coup on va parler de le sortir avec les enfants, comment ça se, à Shabbat, comment ça se passe, comment on peut faire. La Mishnah me dit, Aisha Medada et Bena, la femme a le droit aussi d'aider son fils à marcher. C'est-à-dire, elle a un petit bébé qui sait à peine marcher. Elle va l'aider à marcher. Les Medada, les Dadotes, c'est de dandiner, si on peut dire, c'est un peu le même, c'est des mots fixés. Enfin voilà, Medadine, donc la femme a le droit de, Medada et Bena, elle a le droit de pousser son fils pour qu'il marche. Elle a un petit garçon qui ne sait pas encore marcher, elle a le droit de le pousser. Attention, Amar Rabbi Yehuda nous dit, Ematai, dans quel cas ça a été dit, il n'y a pas de discussion, c'est toujours quand on est marqué Amar Rabbi Yehuda, Ematai, alors ça vient juste préciser les paroles du Tanakh, c'est une règle qu'on a dans le chasse, qu'il n'y a pas de marloquette, donc il est comme ça, la Rabbi Yehuda nous explique. Dans quel cas ça a été dit qu'une femme a le droit de pousser son fils, uniquement Bizman Shehu Notenachat ou Maniachat, que lui il s'est levé une pour poser l'autre. Il a compris le système, il ne sait pas tenir en équilibre, franchement, elle lui tient les mains derrière et lui il va commencer maintenant à marcher. En déplaçant les pieds. Mais par contre, Avali Maya Gorer, par contre, si elle a besoin de le traîner, il ne sait pas marcher les pieds, elle a besoin de le truc pour que le petit il va commencer à traîner, alors là, elle n'aura pas le droit de le faire pendant Shabbat parce qu'elle est en train de déplacer, de porter le petit pendant Shabbat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Slacha Koltoum Salah.